Salut, je m'appelle Egon, j'ai 19 ans et avec cette première vidéo... Tout commença le 11 octobre 2015. Je décide de créer ma première vidéo et de créer ma chaîne sur... je sais pas encore. J'ai acheté ma voiture. Au début, je suis mauvais, même très mauvais. Faut changer la pièce quoi. Et j'aime beaucoup le montage et je commence à m'améliorer. J'ai envie d'une nouvelle caméra, mais j'ai pas d'argent. Je décide d'acheter 30 cartouches de clopes en Slovaquie et de les revendre deux fois leur prix en France. Je voulais acheter des clopes et le truc c'est que. Pour m'acheter un nouvel appareil photo. C'est bien beau tout ça, mais je suis encore à l'IUT. Il faut que je me trouve un stage et vite. Bien dans la merde. J'ai un premier entretien, j'échoue. J'ai un deuxième entretien, ça passe. Mon premier jour de stage là. Je finis mon DUT et je comprends que je suis pas fait pour les études. Vient alors l'idée de partir un an en Australie. L'Australie, ok, mais il me faut un job d'été pour économiser. Je fais une vidéo tuto pour trouver un job et je me mets à fond dedans. Venez avec votre CV. Je décroche mon job. Pendant deux mois, je bosse à fond, fais du skate et me pète une dent. Chico, faut savoir que tu te la pètes dans la vie, c'est fini, tu vois. Je dis au revoir à tout le monde. C'est vraiment les derniers moments, quoi. Je prends l'avion et j'arrive à Sydney. Je suis à la rue. J'ai un gros coup de blues à l'arrivée. Je me suis mis à chialer, tu vois, parce que, je sais pas, j'ai eu un moment où je me suis senti seul et... Je rencontre plein de gens cool et ça va mieux. Je joue au ping-pong et je travaille dans des endroits délirants. Les mecs se lèvent à 3h30 du mat pour aller découper des steaks et des lardons, tu vois. Je change de ville et j'arrive à Melbourne. Je rencontre encore plus de gens cool, mais je suis en galère d'argent. Donc c'est vrai que là, je t'avoue que c'est un peu tendu. Je deviens déménageur et je fais une vidéo dans mon camion. Je crois qu'on aura fini vers 11h. Stupid. Motherfuckers. Je postule dans une agence de films et je décroche un rôle dans les années 70. Encore années 70. Par contre, je ressemble à rien. J'ai envie de me faire un road trip. Tout le monde le fait en voiture? Fuck it. Je décide de le faire en moto. Je passe mon permis et j'achète ma première moto. Je réalise mon rêve d'ado de 16 ans. Je fais une coloc avec un collègue déménageur, je me fais une coupe punk et je prépare mon voyage. Mon patron m'appelle pour bosser, mais je travaille sur la moto. Je me fais virer. Je vais me faire virer. J'ai déjà tout ce qu'il me faut pour mon voyage, alors je pars. Mon plan est de traverser l'Australie d'est en ouest en traversant le désert de Nullarbor. Je fais une super série de vidéos là-dessus. J'arrive sur Albany, bosse dans un resto et me fais une coupe encore plus punk. Back to Sydney, Cairns, puis Adelaide. Trouve un travail, sors enfin ma première formation et j'économise pour la Nouvelle-Zélande. On part en Nouvelle-Zélande, on achète notre voiture mais on crève un pneu le premier jour. Dis coucou à Frodon, au ver luisant des cavernes et à plein d'autres bestioles sympas. Retour à Auckland, puis séjour à la ferme. On est entouré de porcs, de poules, de chèvres et d'agneaux. Je kiffe vraiment. Bah... Tir au sniper, road trip de deux semaines, puis retour en France après un an et demi de voyage. Au début c'est chelou, puis un peu moins chelou. Je retrouve mes potes et ma famille. Je bosse sur mes formations et rencontre pour la première fois des gens qui me suivent. Je prends un café avec Anaïs JST qui me dit qu'elle part sur un coup de tête au Danemark. Et c'est là que je me dis, fuck it. Je décide de partir en Slovaquie après à peine deux mois de retour en France. Pour le reste de l'aventure, je sais pas encore. J'ai mes idées, j'ai mes projets, mais là pour l'instant j'ai un goûter slovaque à les goûter. Abonne-toi mon ami.